Souvenir, 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 souvenir. Mes chers enfants, vous rappelez-vous, voire vous souvenez-vous, lorsque votre bolide ou tchou-tchou à pile tombait en panne, juste le temps de fermer la porte, clic, clac, et ce parfois coiffé comme le pied du réveil, je courais comme une folle dingue au magasin du coin, afin de réparer la dite lacune, de vous éviter de pleurer devant l'interminable chenille de plastoc dur, agencé de ces wagons disloqués là, posés sur le rail maître circulaire. Pas que nous tournons en rond, quoique. Souvenir, 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 souvenir. Starter en moi, courage, volonté, foi et j'en passe. Votre maman, seule comme une grande, dès le réveil, actionnait tout en même temps, afin d'être dispo à chacun de vos levées au quotidien. Souvenir, 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 souvenir. Mes chers enfants, vous rappelez-vous, voire vous souvenez-vous, l'allure gamine, toute heureuse, inconsciente quelque part, comme personne ne savait vous gâter, enchantée, je vous offrais du plus profond de mon cœur le premier ordinateur acheté dans la boutique de téléphonie moderne, sur la droite en montant du boulevard Carnot à Cannes. Bon sang et zut de zut, comment cesser de ressasser ce passé? Certains moments inoubliables pour une mère, bons ou mauvais, on s'en fout quoi? Et je m'en rappelle encore, boudou de boudou, des souvenirs de 20 ans en arrière si frais, comme si c'était hier. Quel gros ventre avait l'ange interplanétaire au ton métallique, tout feu, tout flamme, flambant neuf, ce robot, issu d'un autre monde, comme si nous allions nous promener à travers sa mémoire et inversement, poser les seconds en prioritaire, le pied sur la lune. Qu'en importe la pointure, mimée d'autres Armstrong, sans trop le défigurer. Souvenir, 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 et parole, parole, parole. Toi, ma fille Sandrine, comme une pro, si douée, tu maîtrisais un peu le gros téléviseur de mes jeunes années au tube cathodique bedonnant. Certes, nous faisions des envieux dans le quartier. C'était un luxe à cette époque, aussi bien pour la mienne que pour la vôtre. Ha ha! Les voisines, ses commères, se posaient la question de savoir où avais-je trouvé le dimago utile pour cet achat. Certes, ces dernières jalouses en crise avaient admiré le cadeau installé sur le bureau de bois blanc si simple dans ta chambrette, fiston. Je comprends que le montant d'une belle voiture d'occasion, là, pour des gens comme nous, les intriguait en rapport avec mon train de vie. J'étais alors transformée en femme de mauvais augure. J'en souris encore. Faut rigoler, faut rigoler, faut rigoler, faut rigoler. Ah, dur, dur tout de même. Large en a été, pas mon dos. Mais, oui, apporter ce dit fardeau sur plus de ragots. Aïe, aïe, une folie de casser son cochon de verre au floufou cathédrale. Je parle de la tirelire, celle de votre maman, au relief légèrement ébréché, terni par les ans. Le budget en fin de mois paraissait si faiblard. Que m'en importe-t-il? Je le clôturais tant bien que mal, sans rien ne demander à personne. Aucun crédit ne nous encombrait la vie.
Et je me répète, cette dépense me semblait déjà énorme à mes yeux, pas au vôtre, là aussi, mais adorable phénomène. Un peu comme mon ami et guide, Edith Piaf. Non, je ne regrette rien. Souvenir, 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 souvenir. Mes chers enfants, vous rappelez-vous, voire vous souvenez-vous, de toutes ces privations de ma part? Toi, fiston, c'était vital. Vous avez raison, c'est normal. Vous n'avez pas demandé de venir au monde, je comprends. Et puis, le passé, c'est le passé. Au quotidien, ta ration de lait maternisée en poudre, celui qui, en plus de mes soins, a su te donner la santé, l'élan, la forme, à savoir la pie. Une sacrée pêche, je vous prie de croire. Maintenant, tu, vous, vous êtes des adultes solides, responsables, du moins je le pense. Un autre jour, j'ai craqué pour ce super landau multicolore au fond bleu marine, à l'imprimé de cocotte, ballon, voiture flash fluo, un véritable char d'assaut, une sorte de chaise longue, montée sur quatre roues, énorme. Le parasol assorti, du moins l'ombrelle, frangée de blanc, en complétait le pack. Et souvenir, 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 souvenir. Voilà, le corps cartilagineux de mon cher fiston ignorait enfin les chaos à tous les niveaux. Eh, fichre, ne remettons pas l'église au milieu du village. Le soir, épuisé par les grosses journées à l'atelier bien remplies, je te bordais, veillais qu'aucune mouche, qu'aucun moustique ou autre bestiole ne te bise, qu'aucun de sort. Et ce bon vieux pacha et pape, âgé de quelques mois, commençait à s'imposer. Souvenir, 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 souvenir. Mes chers enfants, vous rappelez-vous, voire vous souvenez-vous, de cette fichue corde à linge si solide sur laquelle, au quotidien, la layette et compagnie prenaient place à la va-vite, épinglée par les doigts agiles de l'automate que je représentais, le tout à la manière du petit rat de l'opéra, dans cet auvent, épinglé comme une liasse de billets, évadés de leur portefeuille, prêts à être dépensés. Et souvenir, 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 souvenir. Faut rigoler, faut rigoler. Mes chers enfants, vous rappelez-vous, voire vous souvenez-vous? Toi, fiston, parfois, mimant le vilain personnage, inquiet, tu te baladais, traînaillant, traînant ton nounours en peluche marron pain brûlé, aux membres inférieurs trapus, bref, décousus, qui tenaient la route même si le gauche pendouillait légèrement, aidé de leurs fichus griffes effilochées. Oh bigre, mon fils, tu l'aimais, l'adorais, cet ours, sur ton oreiller, coiffé de sa tête au motif Goldorak ou Albator, l'une de tes chansons préférées. On t'entendait, autre que de la fredonner du bout du couloir, parfois les voisins tapaient, aidés de leurs manches à balai, afin que tu fermes ton bec toujours grand ouvert. Allez, revenons à nos moutons. Si le soir Toto le doudou couleur moka, comment te contrarier? Reprenons. Si ce gris-gris ambulant ne répondait pas présent à l'appel, je retournais toute la maisonnée, et ce afin de le retrouver. Lui, comme rasé, usagé, les yeux de verre bien accrochés, du moins je le pense, le museau raboté, les oreilles bien basses,
tel le lapin bélier, par miracle toujours collé de chaque côté du crâne, à force de le prendre, de le jeter à toute volée, de la salle à manger jusqu'à la chambre, lors de tes colères délirantes, de ci, de là, de le frotter contre toi, et ce suite tauterelle placardée de ce portrait de loup du Gévaudan, en plein milieu du thorax, dans un fond écru, légèrement plastifié, tu ne le quittais plus, une véritable mascotte, et tes suces, une collection. Parfois, j'en retrouvais une cachée dans tes bottes, déposées là de peur que je ne te la substitue d'emblée. Et oui, grand, tu ne t'exprimais que par geste à presque 4 ans. Je t'ai apprise à parler, il n'y avait que moi, me disait le médecin généraliste, qui était le détonateur de la parole. Et puis, une fois parti, les bégaiements disparus, tu ne cessais de jacasser. Et quel coup de barre en être étourdi, ça me prenait la tête, toutefois fière de savoir que tes grognements étaient annulés et remplacés par un langage de grande personne. Souvenir, 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 souvenir. Face de crabe, te reconnais-tu, petit tout? Tes mâchoires désarticulées oscillaient de gauche et de droite, comme si elles partaient en vacances. Boudiou, une fois je croyais que l'une d'entre elles ne reviendrait plus sur l'autre. Quelle trouvaille tu as eu là. Nous en rigolions comme des fous, te demandions de renouveler le système, et puis comme M. Stromin, « Y en a marre !» Un jour, oui, une folie, un cochon d'Inde depuis trois, afin que vous ayez une compagnie en l'absence du paternel. Quelque chose qui bouge à la maison, une compagnie, c'est vrai, je me répète, je veux dire de la vie, bref, de l'espoir pour tous. Certes, parfois, ce n'était pas gai d'être au four et au moulin. Le soir, ta frangine faisait ses devoirs. Ce coin lit, salle d'attente pour mes clientes et clients retardataires, ce répondeur qui ne cessait de se mettre en marche, le téléphone qui sonnait jour et nuit, oups! Oui, mon existence fut saturée, voire même incomprise par mon bénévolat sans limite, même recherché par FR2. Ah, quelle affaire! Comment refuser une âme en peine, en perdition, afin de la remettre sur le bon chemin, presque ou tout comme? Je n'existe plus aujourd'hui, un peu Mexico, rayé de la carte, après un tremblement de terre, et à quelle échelle, fichtre, encore et encore? Souvenir, 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 souvenir. Il y a de la joie, il y a de la joie, il y a de la joie. Bye bye.